Comment ça se fait que vous avez choisi ce nom? Quel a été le... Ah, ce nom, d'où il vient? Ouais. C'est tout simple. Mon deuxième prénom, c'est Archibald. Ah, ok. Certains potes m'appelaient Archie, donc c'est venu de là. Et Deep, on m'appelle Deep Piazza. Et d'autres potes m'appelaient Deep, donc ça fait Archie. Voilà. Tout simple. On sait tout. On sait tout. Il n'y a pas de secret. Rien à voir avec un jeu de mots, avec... Non, voilà, c'est ça. Ah, c'est mais quoi, c'est une ancienne carrière que j'ai eue, mais on n'en parle pas. Oui. Et voilà, c'était juste Archibald. Et donc pourquoi pas un logo? Généralement les groupes ont des logos. Un logo? Ouais, quelque chose de bien. On a un logo? On a des logos, il y en a partout. C'est pas un logo ça? C'est pas un logo ça? Non, ce qu'il voulait dire c'était un signe ou quelque chose. Mais le signe à nous, c'est surtout sur scène qui se passe. Le signe. Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Attention au droit, il va encore toucher le droit. Un signe, un logo. Non, le logo, c'est nous, il y a un nom, il y a une image, on a créé tout ça autour du nom. Après, il y a eu plusieurs esthétiques. On avait parti dans le premier album qui était un singe, l'album s'appelait I Ain't No Monkey. Après, il y a eu les éclairs. Un travail à Andy Warhol, on a vraiment fait rouler sur les éclairs, et là en fait on arrive sur un truc un peu plus psyché qui a été réalisé par un mec qui a bossé pour les Pink Floyd, les Zeb, tout ça, qui a fait une pochette de musique d'artiste, et qui bosse pour nous et avec nous. Donc on a fait plein de pochettes, plein de petits. Oula, c'est joli! Super, super! Dans tous les sens, et donc cette pochette est qui arrive bientôt en vinyle. En version deluxe avec un vinyle splatter et un vinyle blanc. Ah ben. Avec deux morceaux en plus sur ce site. Don't take it no more.
batteur était bon. Bah oui, quand même. Mais en tout cas, j'ai trouvé le bon batteur qui correspond à mon attitude et à ma tyrannie, qui se retrouve à ma droite aujourd'hui et qui continue de m'accompagner sur les routes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à deux. Et puis, vraiment dans l'idée aussi d'aller au plus simple, de revenir à l'essentiel, en fait, je pense, dans la composition, dans la façon de jouer, dans le son. Enfin, il y a une vraie passion du son et du travail du son par rapport à ça, souvent, qu'on a, est-ce qu'on peut utiliser. Ça va m'emballer. Je pense qu'il y a des fuites qui vont s'échanger, des choses qui vont se dresser. Un peu de bien de s'ouvrir, ça vous plaît bien, ça, ce genre de choses. On va aller tranquillement. What if I bring you something? Think about it. What if I am in your now? What if I go? I'm not leaving our eyes. Before I think we have to die, I'm not leaving the disguise. I think I'm just lose my mind. I think I just lose my mind. I think I just lose my mind. I think I just lose my mind. Qu'est-ce qui inspire alors? Parce que quand on est tout seul, on a tendance à revenir sur les mêmes choses. Ah non, pas du tout. Hein? Alors là, je suis pas d'accord parce qu'on écoute encore plus de musique, encore plus de choses. Encore. Et puis, je pense que quand on est passionné ou animé par quelque chose, parce que je pense que c'est vraiment un truc qui nous anime, bah en fait, on se pose même pas la question. C'est qu'on pleure. Hein. C'est pas forcément de la musique d'ailleurs qui inspire, ça peut être juste une image, ça peut être un moment, ça peut être la conversation qu'on a en ce moment, de parler des interviews, pourquoi pas. Tout est inspiration et tout est envie de création. Et Richard est dans cette démarche-là, moi aussi, donc du coup, bah, ça compose beaucoup pour te dire, là on sort un vinyle qui a 9 titres. On a 40 de près. On a 40 titres qui sont enregistrés, ouais. On en propose encore, on est encore en train d'en enregistrer. Et en fait, on a une banque et on travaille dedans. Des fois, on détruit un morceau, puis non, puis machin, puis on retravaille, on retriture. Il y a des morceaux que j'ai ressortis qui datent de 2006, 2007, 2008, 2009, mais qu'on met au bout du jour, qu'on rebouge. Parce qu'en fait, il y a plein d'idées des fois. On l'a utilisé, mais non, on est passé à côté. Et des fois, d'un morceau, on met S2, S3, plein de choses. Et ça, c'est hyper intéressant et stimulant. Dates, on a fait
tout type de lieu, on joue dans tout type de lieu parce qu'on est très attaché au fait de jouer. Et tant qu'on prend du plaisir, on est très content de le faire et qu'on en prend partout. Il y a Taïa qui nous a rejoint maintenant depuis un an et demi, qui est notre ingénieur du son. Là, il y a une tourneuse commun qui bosse avec nous. Ça nous a permis de passer une étape aussi depuis septembre. Oui. Depuis septembre, on va travailler avec nous. Donc, ça, c'est un peu gentiment. Voilà, c'est des choses qui sont un peu de galène, entre guillemets. Ça, c'est pas quelque chose qui se met en place. En deux mois, on n'a pas le tour du monde qui se met en place. Mais c'est tout le travail qu'on a abattu jusque-là qui nous permet aujourd'hui d'entrer aussi avec un manager, qui nous permet de débloquer des choses avec les labels, avec la SACEM, avec les aides, avec les soutiens, des questions, de la mise en place, de la mise en œuvre de plein de choses. Pour l'international, par exemple, parce que c'est de développer ce qu'on fait à l'international aussi, donc de s'exporter. Donc voilà, c'est vraiment comment on fait tout ça. Ben, en fait, on trim, on y va, on lâche pas. C'est la carotte, elle est devant. L'objectif, c'est d'en vivre, c'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est cool. On a déjà, entre guillemets, cette reconnaissance de se dire on fait que notre musique. On distribue notre musique et les gens qui entendent notre musique partagent avec nous et sont contents de partager cette musique. Déjà, si on cache les cases, entre guillemets, on fait quand même une grosse checklist. Et voilà, la suite, c'est peut-être dans différentes conditions, pouvoir demander un peu plus en termes d'accueil, en termes d'endroit où on joue, de communication, de visibilité. Après, l'objectif n'est pas de devenir des rockstars. Si ça nous tombe dessus, on ne va pas dire non. Mais c'est pas notre objectif parce que sinon tu vas pas dire. Non, j'ai pas envie tout à l'heure, putain. Quand vous vous rendez pas compte, une casse près, ça change tout. Et pas que sur les guitares. Get away. C'est un peu moins marquant parfois que jouer justement avec Tiffet ou ce genre d'équipe. C'est un peu quand même la dernière légende. En tout cas, en France, on a quand même la chance de jouer avec un mec, c'est un peu le dernier, qui tient encore le bout de gras et qui a encore une qualité. Il y a 40 ans, c'est la même chose en fait. Et rock'n'roll, punk, enfin, plein de groupes qui sont très très cool et qui sont très intéressants. Hein, je dis pas le contraire. Là, on sait quand même. Grosse chance parce que tout le monde n'a pas cette occasion-là et surtout d'être vraiment avec eux au quotidien et de vivre un bon moment parce qu'on a fait combien de dates en acoustique, une dizaine aussi. Plus entre 12 et 15. Entre 12 et 15 avec eux, donc ouais. En tout ça fait presque 25 dates. Avec les 10 premières, il y a une intimité, on connaît les filles, mais c'est une famille en fait et on a vraiment découvert ce truc-là de grosse famille. En tournée qui était très agréable aussi, qui peut deux fois donner envie de se dire si on pouvait arriver à cette étape là où on a une grosse famille qui se balade, c'est pas dégueu. Yeah.
the gypsies that abuse horses. Get the difference that is an angel in disguise. Keep your head up and your don't stop to drop your friends mandatory. Stop all the things you do. I don't wish you would have been betrayed. 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 Il y a plein d'influences, blues, on mixe tout ça et puis ça donne Archilip, mais de toute façon, n'importe quel groupe artiste ont des influences dans tout style de musique, de toute façon, après c'est... franchement, après j'ai pas trop le recul, mais ce qu'on dit souvent, c'est que la musique d'Archilip a un son et on reconnaît. Donc ça c'est plutôt... C'est ça qui est le plus important, ouais. C'est que ça soit blues, rock, garage, jazz, parce que c'est une étiquette qu'on pourrait nous mettre. Vous avez beaucoup de... Le mieux c'est qu'on dise c'est du Archilip. Et il y a des... Aujourd'hui de plus en plus les gens nous disent, ça a commencé, je savais que c'était pour un morceau, ou c'est bien. Quand moi je mixe des albums, donc, aussi, ouais. On va avoir ce truc, parce qu'on voulait ce son-là, cette production-là. D'accord. Donc tout ça c'est une victoire pour nous, parce que c'est de dire justement, voilà, on aime ou qu'on n'aime pas, je reviens à la même chose, c'est juste ça. C'est de dire que on est identifié, quoi. Et donc, ouais. Identifié c'est le plus important. C'est-à-dire là ce que j'ai entendu, c'est pas du tout qui c'est parmi nous. Pierre Aymour. C'est Pierre Aymour. J'aurais pu reconnaître, tu vois. J'aurais pu reconnaître. Non mais enfin voilà, il y a des choses. Sans voix, des fois, c'est pas évident de reconnaître. Ça pourrait être un autre guitariste qui joue quand même à sa place. C'est pas grave. allez. Merci beaucoup. Un autre moment dur pour nous parce qu'on va jouer un morceau qui est aussi tout neuf qu'on n'a jamais joué pour vous ici. C'est incroyable. Si on se trompe, vous le saurez pas. Vous avez pas mal de vidéos, est-ce que c'est vous qui les tournez? Comment ça se passe? On a la chance en fait que l'ancien bassiste du groupe, Martin Leroy, est très très doué en vidéo et en photo. Et donc il est devenu le vidéaste et le photographe un peu officiel du groupe, donc il a réalisé tous nos clips, toutes les photos de presse, les photos de live, les photos de live. On est vraiment très content parce qu'il sert vraiment le type de musique, il a joué aussi cette musique avec moi. Il sait que je suis un des copains depuis qu'on a 18 ans, 19 ans. Ça fait vraiment une amitié qui perdure et je suis content qu'il puisse reprendre une place dans le groupe aussi par rapport à ce job-là. On a mis du coup les bassistes parce que j'ai eu le son de ces bassistes.
sur d'autres boulots en fait, pour pas les avoir dans le groupe sur ça.